Salut tout le monde, c'est Legereux. On se retrouve aujourd'hui sur Bridge Constructor Portal pour une nouvelle session de construction de pont. On va voir ce que GLaDOS nous réserve ce coup-ci. The weighted companion cube can also be used as a portable defense against turret fire. D'accord. Ok. Alors, j'arrive ici. Il faut que j'aille là, il y a une tourelle au milieu qui va m'embêter. Donc ça comme tremplin. L'idée, ça serait que ils atterrissent comme ça, ils sautent comme ça. Pourquoi j'ai des attaches ici si ce n'est pour mettre du câble, je ne sais pas. Ça se retravaille, mais je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Même si effectivement ça ressemble pas à grand chose. Comme ça, ouais. Ici, nous aurions une accroche comme ça. Une là, et une là. Voyons voir ce que ça dit. Eh ben moi, je suis tenté de dire pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va le tester. Youpi! Il saute à fond la caisse. Merde. Dommage. Il est allé un peu trop haut. C'est bien dommage. Réessayons. Mais je crois que l'idée est la bonne. Hop là, dunk. Et hop là. Bon bah voilà. En essayant qu'on voit, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça tient. Oh là. Oh 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 oh. Ah merde. J'ai pas vu à quel moment ça a pété, c'est dommage. Il va me falloir plus de renforts ici. Très bien. Très bien, très bien. Toute la question, c'est comment faire des renforts qui tiennent le coup. Ouais. J'ai des doutes. J'ai clairement des doutes. Ça a eu l'air de tenir quand même pas trop mal. Bon, jusqu'à ce que ça pète, vous me direz. Mais oui, évidemment, jusqu'à ce que ça pète. J'ai envie de le tenter comme ça. Ouais. Pof. 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 Lui, il passe. Il passe. Ah, le salaud, vas-y, passe. Bon, ça va marcher, je pense. Ça va être un peu laborieux, mais ça va marcher. Voilà. Et c'est réglé. Bon. Bon, c'était pas très compliqué. On m'a habitué à plus coton. Qu'est-ce qu'on a ici? Niveau 25, route à deux voies. D'accord. Alors. Ils sortent ici. Pouf. Ah. C'est déjà un peu plus velu. Jusqu'où ils vont déjà là? Sweep. Il faut leur faire un tremplin, visiblement. On va voir. Ouais. Là, ils vont quasiment jusqu'au bout, c'est pas mal. Est-ce que comme ça marcherait?
Ouais, presque. Mais faut pas oublier qu'ils doivent repasser par ici. Donc, on va se rester un peu plus calme. Ouais. Voilà. Partons là-dessus. Toto part d'ici. Yahoo! Il arrive en bas, ça casse presque déjà, donc il va falloir renforcer ça. Ouais. Peut-être que ça peut marcher. Peut-être oui. Faut voir. Il faut voir. Youpi, je vole. Punk. Ouais. Ah, ça c'est nouveau. Je connaissais pas. Pas certain que ce soit bien suffisant. On va voir. On va voir, on va voir. Ah, saloperie. Viens un peu par là, voilà. Ça t'est tenu des deux côtés, tu devrais avoir moins de problèmes. Ça, ça gigote pas. Testons tout de suite. Youpi. Je saute, je ressors, j'atterris là. Et là, je bondis et je ressors. Bon. Avec un véhicule, c'est facile. En convoi, ça va être une autre histoire. Clairement. Nous, il faut qu'on ait à peu près à ce niveau. Une route. Et une route où ils arrivent à passer. Donc pas trop haute. Ça va être super temps d'axe. Ah ouais. Ça va être super tendu. Super tendu de la mort. Voilà. Ouais, ça tient à peine debout. Ça promet, hein. Ça promet. Est-ce qu'ils... Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à passer là-dessous. Mais on va voir. On va voir. Bah là, ça passe pas déjà, ça c'est sûr. Pardon. Poil plus bas. Ça aussi, un poil plus bas. Et ça aussi. Ok. Mouais. Essayons de jouer avec un véhicule. Il perd du monde au passage, parce que ça saute trop. Que c'est ballot. Que c'est ballot. Voilà.
Voilà. Voilà. Ça ne tiendra pas, ça. Je prends les paris. Peut-être que ça, oui. Toi, tu pars trop haut. Ben, on va te redescendre un peu, l'ami. On va te redescendre juste ou te raccourcir un peu, peut-être. Ouais. Toi, pareil. Et toi, pareil. En espérant que ça marche. Donc, hop là. J'accélère, je trace. Qu'est-ce que ça gigote là? C'est pas bon signe. Hi. Ouais. Ok, ça marche aussi. Il y a beaucoup d'endroits qui sont bien trop fragiles pour que ça fonctionne sur le long terme. Et là, attention au poids, ouais, c'est ça qui me fait peur, c'est le poids. Le poids de tout ce merdier commence un petit peu à me donner des sueurs froides. Ah, c'est un beau foutoir, mais ça peut peut-être fonctionner. On va voir. Donc, youpi! Youpi! Allez, maniez-vous le cul. Gagnez-vous le cul. C'est un fichu massacre. Il faudrait qu'ils arrivent un peu plus ou un peu moins vite pour se croiser sans encombre, mais j'arrive pas à trouver comment faire. Si je vous relève un peu. Tiens, ouais. Et si je fais un truc idiot? Pour changer, vous me direz, hein, mais. Comme ça, par exemple. Ils y vont, ils font oui, boum! Et ils repartent. Ça peut fonctionner. Non. Ah, bordel. Ça marchera pas. Ah, quoique. Ça va marcher en force. Oh, le resquilleur de la mort, quoi. Ok. Est-ce qu'on dit qu'on l'a passé? On dit qu'on l'a passé, allez. Niveau 26, changer de cap. For the first time, a completely free-hanging bridge construction is required in the upper section of this test chamber. Oh oh. We are now required to provide this inspirational quote. Uninitialized database. Likewise, there is no shame in researching effective construction methods in the library of best practices. Ouais. Alors. Bon, cela s'ils sortent. Ok, boum. Direct. Ça implique qu'ils doivent, tout en s'accrochant ici, passer et atterrir ici. D'accord. Là, il faut pas qu'ils aillent aussi haut, donc il faudra un truc pour les stopper. Eh bien. Voilà, quelque chose qui fait poum, poum.
si ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais pour le moment, je trouve ça logique. Voilà, et puis après, bah, ils repartent tranquillement. Ok, maintenant passons au gros morceau. Encore que, tu sais quoi, mettre un petit renfort ici. Ça, à mon avis, ça peut marcher. Maintenant, il nous faut un pont. Comment je vais faire ça? On a une structure à peu près géométrique comme ça. Je me demande si ça suffira. Voyons voir. Surtout que le pont va devoir être recourbé, j'ai l'impression. Et là, ça va se compliquer grandement. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Tout à fait. Oups. Donc soit on fait un arrondi, oui, avec un petit tremplin. On dirait que c'est ce qu'on attend de nous d'ailleurs. Soit j'en sais rien du tout. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon d'être sûr, hein. C'est parti! Ah, loupé! Ici, c'est loupé. Alors... Essayons. Youp là. Pas bon. Ça passera pour lui, mais ça peut pas marcher. Corrigeons ça. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, à commencer par toi. Ouais. Toi, tu vas pas du tout. C'est assez emmerdant d'ailleurs que t'ailles pas du tout. Parce que pourtant, j'en ai bien besoin de celui-là. C'est beaucoup trop anguleux ici. Voilà, ça sera plus fluide, plus doux. Pareil là. Faut que ce soit plus gentil. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est bon pour notre grand test qu'on voit. Jusqu'ici tout va bien. Le pont en haut me fait pas de soucis. Allez. Bah super. Super. Bon, encore un niveau de passé. Premier pont suspendu. La vie est belle.
Niveau 27, bah, ça fait déjà 3 niveaux. Je pense que je vais m'arrêter ici et on se retrouvera au prochain épisode à cet endroit-là pour continuer Bridge Constructor Portal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, un petit commentaire et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour chez vous! Thank you.